La plus belle façade de Bruxelles. Enfin c'est la... ce que je pense. C'est une maison qui date de 1697 et qui a été en fait construite par Cosaigne, qui est un architecte qui a restauré notamment certaines maisons, enfin reconstruit même certaines maisons de la Grand Place à la même époque. C'est Serge Creux qui était peintre et scénographe qui cherchait un lieu, si tu veux, où garder trace des arts de la Seine, mémoire des arts de la Seine. Et puis on est arrivé dans cette cour et on a eu le coup de foudre, tu peux imaginer. Donc c'est vraiment une aventure, cette maison. Et au cours du temps, elle s'est étendue parce qu'il y a eu toute transformation des bâtiments modernes qui vont jusqu'à Frondru en un premier temps. Et puis, ce qui était tout à fait, je dirais pour nous, qui a changé notre vie ici, c'est le toit sur cette cour. Faire cette verrière. Oui. Cette verrière. Et cette maison, elle est fabuleuse parce que je dirais qu'elle change de couleur à toutes les heures du jour. Et puis le soir, alors, elle a encore une autre humeur, une autre atmosphère. Et donc, progressivement, avec le temps, ce lieu est devenu non seulement mémoire des arts de la Seine, mais aussi un lieu de rencontre. C'est très, très important. Et tout ça sous l'œil de cette belle aune. Ah oui, parce qu'évidemment, cette façade reste, je dirais, le cœur de la maison. Et Bellone est déesse de la guerre. Mais bon, ici, elle a des ondes particulièrement douces et apaisantes. Yeah.
Vite. 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 Thank you.
Yitz. 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 Yitz.
Yitz. Yitz. Yitz. Yitz. Yitz. Yee. Yitz, yee, son. Yitz, yee, son. Yitz, yee, son. Yitz, yee, son. Thank you.
Thank you.
It's me.